Regardez les sucs, ça a été la plus belle. Regardez comment elle est. Regardez les sucs. Par contre, les cheveux. Mais les cheveux courts. Je lui ai dit, hein. J'aime trop. Très classe, très femme. Ça te va super bien. Franchement, on ne fait plus long comme avant. Non, je reste. Par contre, les cheveux. Très canon. Merci. Vraiment. Très canon. On mange ensemble. On goûte les. On va faire une dégustation. Ouais, les attends, moi j'attends les. Moi j'ai pris. Comment ça s'appelle? Framboise. Pistache. Moi c'est bon. Elle les a pas ramenées. C'est pas trop bon. Ouais, c'est bon. Hein. Mmh. C'est bon de manger. Mmh. Très bon. C'est bon, mais je sais pas. Je suis pas fan de coupe de celui-là. Ah ouais? Celui-là c'est bon, je vais goûter. Il est bon. Mmh. Il y a une petite crème dedans, en fait on dirait du Ferrero. Non. La crème elle est bonne, Raffaello. Et juste les Ferrero Rocher. Moi j'aime pas trop Ferrero Rocher. Mm-hmm. Moi aussi je préfère Raffaello. Il faut qu'il fasse ça avec elle. Les filles, à mon deuxième rendez-vous qui est arrivé avec mon nouveau projet, je peux pas en parler, mais du coup, Yasouk, elle connaît, ouais. Elle le sait. T'en penses quoi, ma chérie? Franchement, 10 sur 10. C'est vrai? Vraiment, tout à son image. Ah ouais? Classe. Je veux pas dire. Elle peut pas trop parler. Mais franchement, ça doit rester secret. Incroyable, non, vraiment. Je suis trop contente et je suis trop contente que Yasouk aussi ait validé. Ah, j'ai trop hâte. Incroyable. Merci, ma chérie. Bisous ma star, ciao. Sachez qu'on va beaucoup se voir la semaine prochaine avec Maëva. Ça va être trop bien. Ouais. Allez, bisous, ciao, rentre bien. Bisous ma star. Alors, Mévie, j'ai regardé toutes vos réponses et vous n'avez pas du tout trouvé ce que c'était, ce que je sors bientôt. Ça sort mardi, je suis trop heureuse. Alors, personne n'a trouvé, pourtant il y a un petit indice sur la photo que je vous ai mise et vous n'avez pas trouvé. Wallah, j'ai eu aucune réponse correcte. Les filles, comment vous dire, je suis excitée, je suis heureuse de sortir ce projet, donc ça sort mardi prochain, Inch'Allah. C'est un projet sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, au nom de Dieu, j'ai tout donné. Vous savez, quand je sors quelque chose, je ne fais pas les choses à moitié, je me suis entourée des meilleurs, les filles, mais vraiment, des meilleurs, une équipe, mais au top du top. Les filles, c'est sûr à 1 milliard de pourcents que vous allez kiffer. Moi, en tout cas, c'est un des plus beaux projets de ma vie, au nom de Dieu. J'y ai mis tout mon cœur, toute ma... Les filles, dans ce projet, j'ai tout donné. Vous me connaissez, quand je sors un projet, comme Maëva Guinabouchi, je donne tout. Je me suis entourée des meilleurs. Je suis trop émue parce qu'il y a plus d'un an de travail, les filles. En plus, j'ai été chiante. On a changé, on a modifié plein de choses. Genre, vous me connaissez. Et encore dans le travail, je suis pire qu'à travers les réseaux. Je suis hyper relou. Je les ai rendus ouf. Parce qu'en fait, je voulais tellement que ce soit parfait, que ce soit à mon effigie, à mon image, que ça me ressemble, que ça me reflète. Et je voulais vraiment la perfection, les filles. Donc du coup, ça a mis beaucoup de temps, des doutes, des cris, parce que, oh là là, des pleurs, des moments de joie. Ça a été une trop, trop belle aventure que j'étais obligée de vous cacher, parce que je voulais vous faire la surprise. Et là, nous y sommes.
on y est. Mardi, ça sort. Je suis émue, les filles. Je suis émue parce que quand je fais un projet, je mets tout mon cœur, toute mon âme. Et c'est une nouvelle aventure. C'est ma deuxième aventure. J'ai eu Maya Vaganian Beauty. Et puis maintenant, il y a ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Et je suis fière et je suis émue. Et voilà. C'est des larmes de joie, les filles. Je suis émue parce que j'avais perdu confiance en moi et l'équipe elle a été formidable. Ça a été compliqué parce que je voulais trop que ce soit parfait et là ça se concrétise et je suis fière de moi parce que quand je commence un projet j'aime que tout soit parfait. Et là, ben, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous n'avez pas trouvé. Je vais vous mettre un dernier petit indice. Mais vous saurez tout mardi, les filles. Voilà. Vous savez, les filles, que ce que Maëva a écrit, ben, c'est très, très vrai, en fait. Pour celles qui me suivent depuis très, très, très longtemps et pour celles qui connaissent Maëva depuis très, très, très longtemps, en fait, Maëva, avant qu'elle... Vous savez, les filles, que ce que Maëva, la chirurgie, quand elle était plus jeune, quand elle était encore assistante dentaire, quand elle n'avait même pas encore commencé la télé et tout. Et moi, je commençais la chirurgie. Aussi les réseaux, c'est-à-dire j'étais sur les réseaux, je mettais des photos de moi et tout. Je commençais aussi à avoir un peu de monde, etc. Et vous savez, les filles, qu'à chaque fois, on nous identifiait sous nos photos. On dit, ouais, vous ressemblez trop. Aussi, les réseaux, ça dure juste trop. Et tout, nanana. Donc, c'est vrai que Maëva, je la connais. Enfin, on se connaît vraiment depuis très, 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 très longtemps. Et franchement, c'est un truc de fou comme un trop. Et tout, nanana. Non, genre, en gros, elle a évolué. J'ai évolué aussi de mon côté. Qu'on habite toutes les deux à Dubaï. Qu'on se fréquente, etc. Et franchement, les filles, je vous jure que non, genre. Maëva, je l'aime trop. En fait, moi, Lissi, je trouve que... Et je sais pas comment vous expliquer, mais Maëva, genre, elle est trop gentille. Genre, vraiment, c'est une fille, genre... Maëva, je l'aime trop. En fait, moi, Lissi, je trouve que... Et je sais pas comment vous expliquer, mais Maëva, genre, elle est hyper humble. Genre, tu vois, même si elle est grave connue, qu'elle a 1 million d'abonnés, etc. Ben, genre, elle est hyper simple. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une meuf, elle est très authentique. Elle est hyper humble. Genre, tu vois, même si... Elle est très drôle et sachez qu'elle est très cultivée. Vraiment, si tu parles avec elle, tu vois qu'elle sait plein de choses, qu'elle maîtrise plusieurs sujets, dont la religion. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de la religion quand on s'est vu tout à l'heure. Et franchement, Lessie, c'est incroyable comment elle connaît énormément de choses. Et franchement, bravo à elle. Franchement, plusieurs sujets, dont la religion. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de la religion quand on s'est vu. Franchement, je suis trop contente pour elle. Je suis trop fière d'elle. Qu'elle ait évolué comme ça, qu'elle sache énormément de trucs comme ça. Et même moi, elle m'a... Je suis trop contente pour elle, je suis trop fière d'elle. J'ai appris des trucs aujourd'hui. Donc franchement, c'est une fille incroyable. Vraiment, Maëva, je l'aime trop. Genre vraiment, je l'aime trop d'amour. Et voilà, franchement, je la kiffe grave. J'ai appris des trucs aujourd'hui. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, avec Maëva, on se connaît entre guillemets depuis très 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 longtemps. Donc voilà. Et c'est vrai. Les filles, Yasouk, elle m'a trop touchée. Vous savez, Yasouk, c'est... Vous avez vu là la story, je l'ai repostée, sa story. Yasouk et moi, on se connaît, ça fait des années, avant même qu'elle soit connue. Et avant même que je sois connue. J'étais toute jeune, on était toutes jeunes tous les deux. Elle est encore plus jeune que moi. Ça fait vraiment des années, je vous parle de ça, 2017, 2018, avant que toutes les deux on soit connues. Et en fait, à l'époque, moi, j'étais pas sur les réseaux. Mais à Marseille, j'étais connue. Et Yasouk, elle commençait à être sur les réseaux, elle commençait à se faire connaître sur les réseaux. Et en fait, les gens, ils trouvaient qu'on se ressemblait avant la chirurgie. Ils trouvaient qu'on se ressemblait beaucoup. Et du coup, on était beaucoup comparés. Et du coup, on se parlait. Voilà, c'était il y a des années, les filles. C'était il y a presque 10 ans. Ça fait longtemps. Et maintenant. Je suis toujours restée en contact avec elle
et je l'ai toujours beaucoup beaucoup aimé. Après genre Yasuk elle a commencé les réseaux, elle a commencé à se faire connaître, et moi après tout ça j'ai commencé à faire de la télé et à se faire connaître. Et en fait aujourd'hui ça fait drôle parce qu'on se retrouve toutes les deux à Dubaï, on fait toutes les deux le même métier, on est toutes les deux influenceuses, et ça fait bizarre parce qu'on s'est connues, on était rien quoi. Bon, ça veut pas dire qu'aujourd'hui on est des stars, mais on était des gens genre normaux, et aujourd'hui ben on est connus sur les réseaux sociaux. Et Yasuk c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle est humble, elle est gentille, elle est très très belle, elle a Ouma Belek. Elle a un bon cœur, et en fait Yasuk j'aime trop parce qu'elle est simple et surtout elle est vraie. En fait moi j'ai connu les gens des réseaux, je me suis mélangée et tout, et c'est des gens, la plupart hein, je généralise pas, mais ils sont fake, ils font tout par intérêt, ça se voit qu'ils sont pas. Alors les filles, vous m'avez toutes demandé d'où venait mon corset, donc c'est le corset de chez Nia Shop les filles. C'est un corset qui fonctionne trop bien, qui a la taille, qui aplatit le ventre, et celui-ci c'est le best-seller de la marque. Il fonctionne trop trop bien les filles, je vais vous mettre les avant après, vous allez voir. Alors moi sa marque c'est impressionnant parce que de base les filles j'ai déjà la taille fine, mais là ça m'affine encore plus. Moi vous le savez, j'ai toujours porté des corsets, c'est comme ça que ça affine la taille, et je fais à chaque fois, genre je les porte pendant plusieurs mois, après je m'arrête, puis je recommence. Et en fait, il faut le porter minimum 3 heures par jour, en fait un peu le matin, un peu le soir comme j'ai fait aujourd'hui, parce que là je reprends, et ça affine la taille, ça fonctionne trop bien, je vous montre. Alors là, c'est un corset, c'est le corset, donc leur best-seller, le corset Nia, les filles, que je porte. Et vous avez aussi la gaine Nila, qui est aussi leur best-seller. Celle-là, les filles, c'est de la bombe atomique. Je vais vous montrer ce que ça donne porter. Alors, en fait, vous la mettez sous les vêtements. Elle est invisible sous les vêtements. Elle existe en beige et en noir. Regardez comment elle est. Ce qu'il y a de trop pratique, les filles, c'est qu'il y a le trou pour faire pipi. Ça, c'est trop pratique dans les gaines. Elle est aussi remonte-fesse. Elle va venir enlever tous vos bourrelets. Sous les vêtements, elle ne se voit pas. C'est une dinguerie, les filles. Celle-là, c'est leur best-seller. La Mila. Tout, adieu les bourrelets. Adieu le ventre qui sort. C'est, ça remonte les fesses. Ça sculpte votre corps. Et on ne voit pas sous les vêtements. Ah, vraiment, une Mia Shape. Ça fait très 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 longtemps que je collabore avec cette marque. Alors là les filles, j'ai enfilé le modèle, regardez, Mila, donc c'est leur best-seller. Et regardez, j'ai mis un legging avec un haut bien bien serré les filles. Et regardez, sous les vêtements, ça se voit pas. C'est génial les filles. Celle-là, elle est incroyable. Elle enlève tous les bourrelets. Regardez comment elle affine la taille. Elle se voit pas sous les vêtements. Il y a un remonte-fesse, donc je vais pas montrer de derrière. Elle va jusqu'ici, donc elle remonte même la poitrine, les filles. Et il y a le trou ici, c'est génial pour faire pipi, les filles. Et elle se voit pas sous les vêtements. Regardez, j'ai mis un legging tarpin serré. Et regardez la silhouette que ça fait. Donc déjà, moi, j'ai de base la taille très fine, mais là, s'il vous plaît les filles, regardez. Je serre mon t-shirt au maximum.
Regardez. C'est une dinguerie. Ça, c'est leur best-seller. Ça, les filles, ils vous la font à toutes. Sous les robes et tout, ça se voit pas. Vous dormez avec, ça affine. Pour post-opératoire aussi. Quand j'ai fait ma lipo, pareil, j'ai porté ça. Les filles, c'est une pépite. Vraiment, le modèle Mila. Les filles, regardez comment ça affine. On la voit pas sous les vêtements. Ah, c'est une dinguerie. Et surtout, il y a le trou pour aller aux toilettes. Ça, c'est sinon, il faut tout enlever et tout. C'est trop relou. Non, franchement, Nia Shop, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est là, marque de corset de Gaines. Là. En haut, là. Les filles, ils ont plein d'autres modèles. Je vous laisse aller voir sur leur site internet. Bien sûr que vous avez un code promo. Ils ont des corsets, des gaines. Là, je vous ai parlé des best-sellers. Ils ont aussi le corset qu'elle a appelé Maeva, exprès pour moi parce que c'est un de mes corsets préférés et que ça fait très longtemps, ça fait des années que je porte ces gaines et ces corsets. Les filles, vous allez voir, vous allez commander là aujourd'hui. Écoutez-moi, ce que je vous recommande, c'est que quand vous recevez, vous prenez votre tour de taille, vous le prenez en dessous de la poitrine, au milieu ici, parce que là, vous voyez, là, je fais un petit nœud. Vous prenez ici, en dessous de la poitrine, ici, là où il y a le creux, et là, en bas, d'accord? Ensuite, vous portez le corset ou la gaine. Un mois plus tard, vous remesurez. Regardez combien vous allez perdre de centimètres, et après, vous allez me remercier. Et là, les filles, j'ai un énorme code. Vous allez le kiffer. 20% de réduction. Elle livre partout en France, en Belgique, dans tout le monde. Et en plus, en ce moment, vous avez la livraison offerte. Faites votre stock, et comme je vous ai dit, vous mesurez. Quand vous la recevez, vous mesurez le tour de taille, vous les portez comme je vous ai expliqué, et vous reprenez votre tour de taille au bout d'un mois, et après vous m'écrivez un message et vous me remerciez. Alors les filles, j'ai une grosse semaine. Déjà, je suis trop contente. Mes deux petites cousines d'amour, elles arrivent, Anissa et Jasmine. Ouais, j'aime trop quand elles viennent à la maison. Ça me fait du bien de voir ma famille. Ensuite, il y a la sortie de mon projet. Voilà. Plein de nouvelles choses qui arrivent. Et cette semaine, ça tombe mal, les filles. Je sais pas si je vais reporter. Je dois changer mes facettes du haut. Moi, mes facettes, les filles, je les ai faites en France. Je les ai faites il y a peut-être, je crois, 3 ans. Sauf que ici, je sais pas si vous voyez. Vous voyez là, il y a un trou. J'ai cassé la facette d'ici. Et là, ici, celle-là, à l'intérieur, elle est cassée. J'en ai pas jusqu'au bout des facettes. Hein. J'en ai, je crois, 10 en haut et 6 en bas. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas une facette, ça, c'est mes dents, ça. Là, j'ai facette. De la canine à la canine. Et là, en haut, voilà, là-bas, c'est ma dent. Vous voyez, elle est un peu plus claire. Et ici, à partir de là, à l'âge des facettes. Et bref, j'en ai cassé deux. Du coup, je voulais changer juste les deux. Celle-là et celle-là. Mais dans la clinique, là, je vais aller, ils m'ont dit non, on te change tout le haut. Parce que si je te change que les deux, de là et de là, il va y avoir peut-être un décalage. Ça peut-être être plus clair ou quoi. Donc, on ne prend pas de risque, on change tout le haut. Donc, pendant un jour et demi, j'aurai des fausses dents. Je ne pourrai pas trop parler, pas trop... Voilà. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais bon, ils sont hyper rapides. Je vais aller faire dans la clinique où je vais tout le temps. La meilleure clinique de Dubaï. Là où ma mère, elle a fait ses facettes. C'est les meilleures. Donc, voilà. Je vais changer tout le haut. Parce que je ne peux pas en changer que deux. En vrai, j'avais envie de changer que celle-là qui est cassée, celle-là.
Alors les filles, je vous ai promis que j'allais vous faire un retour sur le ashwagandha. Donc c'est ce que j'ai acheté en pharmacie. C'est des plantes naturelles, ça vient d'Inde. Et en fait, c'est un anti-stress naturel. Alors, je vous fais mon petit retour. Ça fait maintenant une semaine que je les prends. C'est génial, c'est génial. J'en ai fait livrer chez à ma mère, les filles. C'est incroyable, hein. C'est vendu légalement en pharmacie, ils en vendent en France, ici à Dubaï. C'est une copine à moi qui m'a conseillé et c'est trop bien. En fait, c'est un anxiolytique naturel. Vous savez que j'ai pris des anxiolytiques parce que j'étais pas bien, que j'ai arrêté. Franchement, si vous pouvez éviter de prendre des anxiolytiques que les médecins ils vous prescrivent, c'est chimique, c'est vraiment pas bon. Moi, je l'ai vraiment mal toléré. Déjà que je suis de nature très 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 nerveuse, mais alors là je voulais démarrer tout mon défi. Vous le voyez même sur mes réseaux, j'étais en train de devenir un. Du coup, quand ma mère elle m'a appelé, elle m'a dit Maëva, je te regarde sur Snap, ça va pas là, qu'est-ce qui t'arrive? Elle pleurait, elle était pas bien, je me suis mise à pleurer, j'ai arrêté d'un coup alors que normalement on les arrête petit à petit. Mon amour, donc pour les arrêter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté d'un coup et ensuite j'ai tout fait pour enlever toutes les toxines de mon corps. Donc j'ai fait NAD+, j'ai fait Hijama et je prends mon thé au hari de cerise pour enlever toutes mes toxines. Et donc je prends ça. Alors faut pas en prendre la journée, ça fait dormir, mais c'est génial. C'est un anti-stress naturel, c'est des plantes, voilà, c'est vendu légalement, sans ordonnance, en pharmacie. N'en prenez pas la journée, ça vous fait dormir. Moi j'en prends deux le soir avant de dormir et c'est génial. Du coup je dors trop bien et je sens que je suis plus stressée, j'ai plus cette boule de stress que j'avais.